Kanishi est né sur une base américaine, militaire, à Tokyo, au Japon. Origine chinoise, américaine et japonaise, bâtarde, elle se tient déjà entre les mondes. À 9 ans, l'arrivée des Yakuza chez elle. Elle se faufile sous le lit des parents, le père menacé, la mère en otage. L'absurde réclame le paiement de son innocence. Deuxième gestation, dans cet espace, clos, retiré, restreint. Le dessous du lit, qui n'est que regard, larmes, silence et terreur. Le père, à l'issue d'un combat digne, mais transpercé par l'épée Yakuza du traître, humilié par le scandale du dos offert, meurt, face contre sol, regard contre regard, devant sa fille dissimulée, œil torve et larmes ravalées. Alors, la mère apeurée, alors, le boss Matsumoto, alors ce cigare à moitié écrasé contre la dignité de cette famille massacrée, alors, la mère otage, jetée dans le lit, alors la lame, alors, le matelas transpercé, le lit transpercé, la pluie de sang sur le visage de celle qui était enfant, et que les larmes saisissent dans un devenir monstre. Deuxième naissance dans l'incendie de la couche, de la demeure des choses, de l'apocalypse du regard. Deuxième gestation. Dans un espace encore maternel, environné de tortures sourdes. Deuxième gestation, les récits de vengeance. N'est pas initiatique. Pas une ville dans laquelle on se promène. Pas une grotte dans laquelle on erre. Un écho au ventre du loup des contes qui avale Mère Grand, dans cette curieuse inversion du motif de la naissance dans le petit chaperon rouge. Un écho au ventre du loup, des contes, qui dévore ce canard trop lent dans ce suspens de terreur qui assombrit Pierre et le loup. Comme un souvenir du territoire sévestre aussi, cauchemardesque, qui avale Blanche-Neige en paiement du foie et du cœur d'une biche, avant de recracher la princesse nature dans cette demeure qui sera provisoirement à l'abri de la sagesse du miroir et de la folie de la marâtre. Des plis. Non pas composant des labyrinthes, mais des plis. Dans l'étouffement des êtres. Des plis, comme un deuxième utérus. Des plis, comme l'aube d'une expulsion à la vengeance, au récit des terreurs. Une deuxième gestation. Le motif de la naissance. L'enfant traumatisé. Les larmes de l'enfant mêlées de sang qui marquent au fer l'intégralité du récit. Peut-être les récits n'ont parlé que d'enfants. Peut-être tout le récit est suspendu aux larmes de ces enfants. Peut-être que dans ces petits espaces, dans ces boîtes, dans ces plis d'étoffe, dans ces capsules, se joue l'intégralité du destin des histoires. Peut-être n'y a-t-il plus d'initiation. Kill Bill, encore. Le dessous du lit, à l'aube de la vengeance. L'intérieur de cette ambulance, devant les orteils, encore raidis. L'intérieur de cette valise, où se dissimule ce serpent qui jaillira en paiement de la vengeance, et l'intérieur de ce cercueil. Circulation du trope, distribution du motif, de la cage, de l'intérieur, dialectique du dedans et du dehors. Nouveau ventre, ce cercueil dans Kill Bill. Il y en a d'autres, ces utérus-là, on commence à le voir, c'est le cercueil dans lequel est coincé... Think well, all these victims I've claimed.
Snowblood. Plutôt la Lady Snowblood. Le moment où la cheveux est vengeresse, et est pensée dans cette espèce de dans la pensée dans les deux épisodes. Elle est pensée à l'intérieur de. Curieux jusqu'à présent. Un parcours qui n'avait pas d'ambition ni scientifique ni interprétative. Un parcours qui se voulait, comment dire, la mise en place d'une intuition et la transformation de cette intuition en une obsession et donc la traque de cette obsession. Avec une tentative de l'organiser selon un fil selon un fil politique. Une expérience sans doute déceptive, qui trahit sans doute l'humilité originelle de l'entreprise. Et essayons maintenant de lui donner cette force interprétative-là. Essayons à travers cette obsession-là d'interroger la science, d'interpeller la science et d'offrir un certain nombre d'horizons à la critique. Trois grandes étapes. La caverne idéale qui ne m'a pas intéressé, celle de Platon. La grotte initiatique, qui, à chaque fois que j'essayais de la mettre de côté, s'imposait à moi. Et cette espèce d'utérus matriciel, cette espèce de pli originel. Une espèce de parcours comme ça, en trois étapes. Ce parcours-là, essayons maintenant de le resituer par rapport à une histoire des sciences, par rapport à un certain nombre de débats épistémologiques. Pour quelle raison? Sans doute parce que ce qui importe ici, c'est de se demander comment fonder une critique à partir d'une obsession. Reprenons le schéma originel, celui de la grotte initiatique finalement. Et essayons à travers ce schéma originel de poser le débat historiographique qui finalement va être celui autour de l'enfance et du traumatisme. La question initiatique. Je pense que plus jeune, j'ai été très marqué par cette fameuse scène de Star Wars où Luke passe dans son apprentissage auprès de Yoda. À travers les épreuves de cette grotte pour découvrir à la fin de ce parcours-là le casque de Dark Vador déchiré en deux, son visage apparaissant à côté de la créature qui s'avérerait être son père. Je pense que c'est une scène qui m'a beaucoup marqué et qui sans doute à travers laquelle sans doute se sont dit un certain nombre d'obsessions que je pouvais avoir vis-à-vis de ma relation vis-à-vis de mon père. Un peu plus tard, et sans doute cette scène-là m'a servi un peu de prisme pour appréhender la culture populaire que j'aime tant et a eu tendance à me, comment dire,
à me coincer dans ce biais-là, dans ce biais de regard-là, à aller chercher des scènes initiatiques là où elles ne s'étaient pas forcément. Un peu plus tard, j'ai découvert que mes lectures anthropologiques nourrissaient assez largement ce rapport que je pouvais avoir avec la culture populaire. C'est-à-dire que je trouvais dans la littérature anthropologique une foule de scènes initiatiques. Et à partir de là, cette réflexion selon laquelle il y avait quelque chose dans l'épique contemporain de l'ordre de l'initiation. L'entraînement, la découverte, l'initiation à un nouveau monde, le lien entre le monde du père et le monde de la mère, etc. Et ironie de l'histoire, je me suis aussi rendu compte que Lucas avait assez largement lu L'homme au sans visage de David Campbell, qui est un ouvrage qui est devenu un ouvrage de référence pour lui. Et on a une espèce de cercle épistémologique ici qui se met en place dans la mesure où Campbell, en Lévi-Straussien un peu massif et un peu rugueux, est allé chercher dans différents mythes le schème initiatique. Et fatalement, quand on va chercher un schème, on finit par le trouver. Et il l'a trouvé. Et il le décrit donc à travers cet ouvrage qui a quand même une base scientifique assez fragile, quoi, et surtout qui témoigne d'un structuralisme un peu aride, cette scène initiatique-là. Et il y a une espèce d'auto-réalisation, en fait, de l'intuition scientifique, dans la mesure où il a été effectivement repris par des auteurs qui composaient des récits qui, pour X raisons, sont devenus des récits s'inscrivant dans une mythologie moderne forte. C'est le cas ici. Partons de là. Qu'est-ce que c'est une scène initiatique? Roger Bastide le rappelle bien dans son introduction au livre de Devreux, qui s'appelle Introduction à l'ethnopsychiatrie. Il définit, en fait, selon les anthropologues, une tripartition de la scène initiatique. Une scène initiatique tribale, celle qui voit l'enfant devenir adulte au cours d'un rite initiatique dont on a un certain nombre enfin, dont on a plein d'occurrences. Je pense notamment à la scène très connue du renard chez les Spartiates. Bon, voilà, la scène initiatique, qui s'associe en général à l'acquisition d'un nom, notamment dans certains sites d'Amérindiens, de natifs américains. Ça, c'est la première chose. Deuxième rite, le cérémoniel religieux qui vise à une initiation à une société secrète. Ça peut être un rite d'initiation franc-maçon, ça peut être le baptême, ça peut être. En général, on est initié au secret d'eux. Et la troisième, c'est l'initiation magique, qui est bien rapportée par Marcel Mauss ou par Jeanne Fabre-Sada dans son ouvrage extraordinaire sur la sorcellerie dans le Maine, dans lequel, effectivement, on a une tension entre un pôle surnaturel et un pôle humain, avec un personnage sorcier à la marginalité positive qui s'inscrit dans l'entre-deux. Trois scènes initiatiques fortes. Celle qui m'intéresse là, c'est la première, parce que c'est autour de celle-ci que je tourne depuis le début. La première scène initiatique. L'enfant devient adulte. Écoutez Margaret Mead dans Les Lances du Pacifique, décrire cette scène initiatique-là, où finalement on voit que la tripartition de Bastide est un petit peu vaine, puisque les trois niveaux d'analyse sont présents. Écoutez Amandine lire cette scène fameuse, en fait, des Lances du Pacifique. Écoutez Amandine lire. L'essentiel de l'initiation reste, dans tous les cas, le même. Le novice est rituellement isolé de la compagnie des femmes pendant une période au cours de laquelle il observe certains interdits sur la nourriture, est incisé, participe à un repas sacrificiel où il absorbe le sang d'hommes plus âgés et se fait divulguer un certain nombre de mystères. Il existe deux sortes de choses mystérieuses. D'abord, des objets qu'il n'a jamais vus auparavant, tels que masques et autres figures sculptées, et la révélation, qui ne l'est plus vraiment pour lui, du fait que le Tamberan n'existe pas réellement. Le mystère du casoar, qui avalait les petits garçons, s'éclaircit,
C'est simplement un homme d'un certain clan qui porte de terrifiantes lunettes en plumes de casoar et qui a suspendu à son cou un sac couvert de coquillages dans lequel sont plantés deux os de casoar effilés. Le tamberan n'est lui-même que le son de flûte, le battement des tambours ou l'idée générale dont s'inspire l'ensemble de ces mystifications. Pour un garçon arapèche, grandir, c'est découvrir qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est faire reconnaître qu'il est assez vieux pour savoir que tout cela n'est que pantomime. Pantomime, une pantomime, il est vrai, que se transmettent les générations avec ferveur parce qu'elle aide les garçons à grandir et ainsi contribue au bien-être général. L'incision elle-même et le repas sacrificiel de sang qui est servi aux initiés participent d'un autre ordre de vie. La croyance au rapport entre le sang et la saignée et la croissance fait partie des fondements même de la culture arabe. C'est cet aspect qui est souligné lorsqu'un garçon est initié isolément. Il sait déjà tout ce qu'il faut savoir au sujet des flûtes et une famille à peu près d'objets mystérieux à lui montrer. Son initiation se résumera à l'incision et au repas sacrifié. Extrait de Mœurs et sexualité en Océanie, Margaret Mead. It was about adolescence, and I thought that the people who were interested in adolescence were primarily teachers, and then to some extent physicians also, and they didn't speak Samoan, and they didn't speak technical anthropological language, and so I wrote it in English. Je voudrais orchestrer une espèce de dialogue entre les arts et les sciences, et les sciences humaines en l'occurrence. Il est hors de question d'orchestrer ce dialogue-là sans situer les points de friction qui animent le débat historiographique, anthropologique et critique. Et sur cette question de l'enfance, justement. Moi, pendant longtemps, j'étais persuadé que les sciences humaines, elles parlaient que d'enfance. Je lisais que ça, je découvrais que ça dans ces livres. Des passages. Et puis, ce livre d'Heather Montgomery, un livre de 2009 qui s'appelle Introduction to Childhood. Alors, ça n'a pas été traduit, c'est un livre qui est très intéressant et qui a le mérite de reposer les pièces du débat. Un débat qui a deux jalons essentiels. Une phrase qui, pour moi, était absolument surprenante, de Charlotte Hardman, dans un livre de 1973, où elle dit « L'enfance est un espace, une époque, un sujet, subject, worthy of studying, qui vaut le coup d'être étudié. » Je me dis « Bah, merde, quoi, vous faites pas que ça, quoi. Vous, les anthropologues, de parler d'enfance. » Et un peu plus tard, La Fontaine, en 86, un autre anthropologue qui dit, finalement, donc ça m'a vachement éclairé, finalement, nous les anthropologues, on a considéré les enfants que comme des surfaces, il utilise l'adjectif waf, des surfaces brutes, des surfaces rugueuses, des surfaces informes. Il en parle après, il parle d'un sujet en devenir, d'un sujet informe, sur lequel la société imprimerait ses codes. Ok. Et effectivement, si vous prenez deux grands sociologues qui travaillent sur l'enfance aujourd'hui, je pense à Wilfried Ligné, pardon, et Bernard Lahire, vous vous rendez compte que même dans les travaux de Ligné, autour de la question des précoces, ce qui l'intéresse essentiellement, c'est de se poser la question de la précocité en oblique de la psychologie, en se disant la précocité ne se définit pas comme
à travers les catégories du QI, quoi, mais doivent se définir à travers celle beaucoup plus sociologique du rapport de la mère avec l'institution scolaire. Globalement, l'instrument du QI est disponible depuis la fin du 19e siècle. Cet instrument, il est utilisé dans le cadre du repérage d'enfants précoces qu'à partir des années 70. Pour quelle raison ? Wilfried Ligné nous explique, après les années 68, une défiance de certaines familles catholiques vis-à-vis de l'évaluation que pouvait avoir l'enfant, que pouvait avoir l'institution scolaire sur l'enfant, une remise en cause, une défiance, et donc un appel à un professionnel autre, parallèle, moins complémentaire que rival, qu'est le psychologue, pour venir, conforter, rassurer cette défiance-là. Il lui dit, on se rend compte qu'il y a des enfants précoces qu'à partir des années 70, et donc c'est la mesure qui compte, etc. Il ne parle pas d'enfants, Wilfried Ligné. Est-ce que Bernard Lahire parle d'enfants dans son récent Sociologie de l'enfance ? Peut-être pas. Celui qui parle bien d'enfance, c'est Michel de Certeau. Au moment où il parle justement de la réappropriation de l'espace dans le cadre d'un hôpital psychiatrique et comment en fait on trace des trajectoires qui ne sont pas celles qui sont indiquées par l'institution. Et là, il parle des territoires de l'enfance comme une espèce de réappropriation d'un univers. Ça, c'est vachement intéressant. Les figures sont des gestes, ou plutôt, comme dit Rilke, des arbres de gestes, en mouvement. Ils bougent, même les territoires figés et machinés de l'institut médico-pédagogique, où des enfants se mettent à jouer et danser, au grenier de leurs histoires spatiales. Cet arbre de gestes remue partout. Leur forêt marche dans les rues. Elles transforment la scène, mais ne peuvent être fixées par l'image en un lieu. Si malgré tout, il fallait une illustration, ce seraient les images transies, calligraphie jaune, vert et bleu métal qui hurlent sans cri. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a une espèce de débat, en fait, au niveau des sciences humaines sur est-ce que l'enfance, c'est un territoire qui se voit traversé par la société ou est-ce que l'enfance... je renvoie à d'autres travaux de Wilfried Ligné où il parle des enfants qui discriminent les métiers dans qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et de l'imprégnation par le discours adulte de certaines structures de pouvoir à l'intérieur du discours des enfants. Et de l'autre côté, la position plus d'un de Certeau, cette position relativiste-là qui viserait à montrer qu'il y a des territoires propres de l'enfance qu'il faut analyser en anthropologue, etc. Ce que faisaient pas les anthropologues. Intéressant. L'enfance comme une espèce de territoire aveugle de l'anthropologie. Est-ce que l'enfance est un territoire aveugle de l'histoire ? Toute l'historiographie de l'enfance a été marquée par un livre essentiel de Philippe Ariès, un livre des années 60 sur l'histoire de la famille, qui dit que le sentiment de l'enfance n'existe pas au Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant, c'est, je sais pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas, c'est la façon dont ça a polarisé le débat. On voit que une historienne comme Shoamit Sahar va décrire justement cette période-là, la façon dont, après la naissance, on faisait passer les enfants dans des bains différents, avec des températures différentes, à des niveaux de luminosité différents pour respecter cette caractéristique qui serait propre à l'enfance et donc qui aurait une prise en compte de l'enfance. Et donc on voit bien que le débat va jouer à ce niveau-là. Intéressant. Chez les Romains, un enfant qui était mort donnait lieu à un rite qui définissait l'enfant non par rapport à lui-même, à ce qu'il était, à son histoire, mais qui désignait des individus rituels propres à pleurer l'adulte qu'il aurait pu être. L'enfance,
comme un territoire complexe de l'historiographie et comme un territoire complexe aussi des différentes époques historiques qui renvoie finalement l'historien, donc dans ce débat qu'il y a entre la réalité et la façon dont l'historien regarde cette réalité-là, à globalement une histoire par les sociétés des découpes du temps social. Passage chez les Grecs, à l'Éphébie, au gymnase, etc. Enfin, les différentes étapes, quoi. Et donc à penser des processus. L'enfance, non pas saisie en tant que telle, mais l'enfance saisie comme des étapes d'un processus. Comment ça se passe du côté des arts ? Pareil, a priori, des enfants, on voit que ça dans les arts. Quoi. Des vierges à l'enfant. Grande partie de l'histoire des arts, c'est des vierges à l'enfant. De Boraffio jusqu'à Raphaël, des vierges à l'enfant. Est-ce que c'est l'enfance qui est représentée dans les arts ? Non, pas forcément. Sûrement pas. Regardez les Christ dans ces tableaux. Figure hybride, presque monstrueuse, en fait. Corps de bébé, des têtes de vieillards parfois. Les peintres ont toujours essayé de résoudre des problèmes théologiques de façon technique. C'est l'invention de la perspective à travers les tableaux de l'Annonciation pendant la Renaissance. C'est les textes de Daras qui sont extraordinaires sur ça. On vous montre comment, dans le rapport de l'ange Gabriel appartenant au plan Dieu et de la Vierge appartenant au plan humain, on a construit et réinventé la perspective à travers cette espèce de pilier de Frangelico qui commence dans le règne humain et qui finit dans un plan autre du tableau. C'est pareil pour la Vierge à l'enfant. C'est la figure complexe du Christ qui est abordée par cette exploration picturale. Les tableaux intimistes hollandais. Là, il y a des enfants. Là, on va se dire, putain, là, ça y est, la peinture représente l'enfant. Je renvoie aux travaux de Madame Morel, qui explique bien ça à ce niveau-là, qui explique bien qu'en fait, les tableaux hollandais, c'est moins des représentations intimistes ou réalistes que des... Elle parle d'abstraction réalisée, que des représentations de proverbes. On connaît tous les tableaux des proverbes de Bruegel à ce niveau-là, quoi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que les historiennes des arts sont allées un petit peu plus loin. Là, cette fois-ci, je pense aux travaux de Carrel du Jardin, qui travaille sur, justement, les motifs qui sont présents dans les tableaux dans lesquels il y a des enfants qui sont représentés. Des bulles de savon, des toupies, certains jeux. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est qu'elle retrouve ces motifs-là dans des tableaux de vanité. L'enfant sur la bulle de savon. C'est l'enfant qui est... C'est un memento mori, en fait. C'est-à-dire que c'est l'enfant représenté dans la précarité d'un temps qui ne vaut que par le fait d'abandonner du superficiel vers la solidité et l'aridité du monde adulte. L'enfant, c'est pensé comme un état transitoire. Et dans la littérature, on retrouve cet état transitoire-là. Est-ce qu'il y a des enfants dans la littérature ? Fénelon, le Télémaque, premier vrai grand roman sur les enfants, sur un enfant. Quel est le cadre énonciatif ? Fénelon écrit pour le dauphin du roi, en vue de l'édifier. C'est un texte qui est entièrement tourné vers le futur, qui est sur le régime délibératif. Si on se met dans le cadre rhétorique. Vous savez qu'en rhétorique, il y a les trois temps, le passé, le présent, le futur. On est clairement dans le régime délibératif. Un autre enfant qui n'en est pas vraiment un, c'est Rodrigue. Tout le dilemme, il est sur le régime délibératif. Une peur de la disgrâce qui pourrait être portée sur son nom s'il refusait le duel. C'est ça qui va embarquer Rodrigue. Le futur.
L'enfance n'est jamais montrée à l'intérieur du cygne. Enfin, l'enfance, cette espèce d'adolescence ou de jeunesse. Il y a sans doute un récit, moi, qui m'a beaucoup marqué et que je suis retourné voir attentivement. C'est le Perceval de Chrétien de Troyes. Là, il y a un enfant qui est montré. Pareil. Avant la cérémonie d'adoubement, ça me servira bien aussi avec ce que j'ai pu dire au niveau anthropologique. Avant la cérémonie d'adoubement, il y a trois apparitions de l'enfant. Ces trois apparitions de l'enfant passent par des discours. Ces discours-là sont toutes sur le régime du futur. La mère qui lui donne des conseils sur son futur. Cette femme qui croise, cette jeune fille qui croise et qui, sous le regard moqueur de queue, lui fera des prédictions sur son avenir. Et le discours du chevalier au cours de la cérémonie d'adoubement, qui a un discours au cours duquel il va lui donner les recommandations et les trois lois de la chevalerie, tendues vers le futur. L'enfance est un point aveugle de la littérature, de la peinture, d'une historiographie, et peut-être des réalités de l'époque, mais ça, on n'y a de toute façon pas accès autrement que par une historiographie qui a résolu sa tension avec les réalités qu'elle essayait de décrire sous le prisme du découpage par les sociétés des âges de la vie, des ères transitionnelles. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y aurait pas une nouveauté forte de cette littérature épique contemporaine, de cette littérature propre à la culture populaire, qui amènerait non seulement un nouveau regard sur l'enfant, mais en même temps à redéfinir l'intégralité de sa narratologie sous le prisme de l'enfant. C'est ça la question que je veux poser. Dans Batman, Bruce est englouti une première fois dans un puits. Il en est sorti par le père, et c'est sa première rencontre avec les chauves-souris, avec la peur, avec la terreur. Et après la mort de ses parents, Bruce passe une douzaine d'années, rencontre Ra's al Ghul, vit son initiation et revient à Gotham. Et il décide de faire le justicier. Mais il n'est pas encore né au monde. Alors il se fabrique une fausse cicatrice, il se met un bonnet un peu ridicule et il traîne dans les rues de Gotham. Et ça se passe très mal. Il finit avec une balle dans le ventre ou un coup de couteau, ça dépend des versions. Il rentre et il se rend compte que, malgré l'initiation, Gotham le refuse. Et là, une chauve-souris, il a la découverte de l'antre, de la Batcave. Et là, la naissance au monde. Et là, la dialectique de la peur que va incarner Batman. Ouais, c'est... Là, il y a un Utérus second. Il y en a un autre Utérus second. Celui de Superman, c'est la petite capsule qui lui permet d'échapper à Krypton. Le père, la mère, le père qui connaît, qui est au courant, qui sait. Il y a un scientifique, son père. Et qui sait ce qui est en train de se machiner. Et qui sauve son fils. La mère commence à être absente. La mère est encore plus absente dans Dragon Ball. Sont tout apocryphe le passage de Dragon Ball. Pareil, juste avant la destruction du monde des Saiyans, le père et la mère niguaient et le fils mis dans une capsule. La capsule est l'utérus comme une espèce d'entre-monde, en fait, d'entre-lien, d'inter-monde. Un chemin entre la porte et le caveau, quoi. Pas de grotte épreuve, pas de caverne initiatique, pas d'antre idéal,
pas d'espace symbolique. Le souvenir de la viscosité, le souvenir du liquide, le souvenir du déchirement. Le souvenir de la dialectique du dedans et du dehors. Mais bien un espace clos, un espace pli, un espace de surgissement et un espace d'expulsion, un espace en mouvement. Un espace capsule, un espace trait d'union entre les mondes. Un espace refuge. Un espace caveau, un espace naissance. La gestation contradictoire, l'éveil à l'épique. Cet espace étroit, ce cercueil, ce costume, ce linceul. La cape de l'assassin Couroy, du père de Lynn, qui recouvre sur la fille les pans larges et sombres de son étoffe pour préserver l'enfant des cris de la mère. Le refuge qui incarne lui-même l'horreur. Le corps de Legosi dans Beastars qui recouvre Haru au début. L'enveloppement et la menace des crocs. La peur de l'être hybride. La peur d'un destin. La tentation des sens. Les odeurs. Des yeux rouges qui percent dans le noir et blanc des planches. Le dessous du lit dans Kill Bill. La goutte de sang qui transperce ventre et sommier à travers le fil de la lame. La dialectique du dedans et du dehors est un chemin. La capsule de Kal-El, celle de Goku, le voyage à travers l'espace, avant l'errance entre les mondes. L'entry plug d'Asuka ou de Shinji, mais ça sentait encore le sang. Le sang et l'odeur de lavandine, le soleil et la terre rouge, le rouge, la couleur que je déteste. La capsule qui tord le corps comme une fleur, ou l'infléchit dans la position fœtale de l'attente et de la perte. Le costume de Batman, les recoins de la Batcave, du tissu, du bois, et toujours la viscosité d'une naissance. Derrière ces plis du monde, je crois qu'on a enfin trouvé le ventre qu'on cherchait. Le ventre horreur et le ventre refuge, le ventre naissance et le ventre oubli. Mais le ventre est déchiré, l'étoffe est rompue. Il y a des ouvertures dans le pli. Il y a du jeu entre les pièces des rouages, de la machine qui en serre, de la cage qui se rétrécit. Et pour délimiter définitivement ce trop, pour en circonscrire le plus parfaitement possible les contours, il manque sans doute le père et la mère. Non pas dans un délire inconscient de scénographie originelle, mais bien dans un délire de fin du monde, dans un poème de fin du monde. Le poème de l'éveil éclos dans l'apocalypse des ventres. Un dernier effort, un dernier élan. Je suis conscient de toutes les insuffisances de cet objet.
C'est la première fois que je me lance dans pareil voyage. J'ai conçu cette errance en trois grandes parties. Je proposerai les deux autres très, très prochainement, dans les jours qui viennent. Je sais que le résultat n'est pas, pas à la hauteur. J'ai mis en tout cas beaucoup de cœur, j'ai mis pas mal de tripes. J'espère vous avoir un peu emporté dans cet enthousiasme-là, dans cette quête. Je me permets aussi ce petit mot parce que ces différents objets, je vais les décliner. Je vais proposer deux vidéos par semaine autour de sujets divers. C'est ma façon à moi de participer à du collectif, de participer à quelque chose de l'ordre de la vie en commun. Je suis dans une situation très difficile en ce moment, comme beaucoup de journaliers. Sans rentrer dans les détails, ma situation personnelle ne me permet pas de prétendre à des aides. Et le contexte très particulier voilà, me met dans une situation difficile. J'ai ouvert une cagnotte, elle est en lien ici. Voilà, à votre bon cœur, comme on dit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur.